tourné pour un jour. En creusant les trous, on va faire une petite digue qui permettra à bien retenir l'eau sur la parcelle. Voilà. Comme ça, on va venir sur ma yembo. Tiens, on y a mis. Qui t'en faut un tout ça, il va en boire bilan. Un ning borde pousse. Bah, trop ça, on ne bille pas encore, mais on tient un borde pousse. À ça, on a qui était à la fin. Ah, ni ça, on doit tourner les singes. Kawasame. La tonne banga son montant to mazem sawa de mille. Pani kovna nam sanda watung ni gita tonne kala. Ni kemta ton papa me minima waton tawa de mille wakata. De mille ton da yi kampam ton no e ti fiel ma son ton do. Ti ton kengwa yuya. Ni kem ti beno wa bam taba amda banga la met anafla yi da ton da tum ni kovna nam sa. Voilà, observez bien comment est-ce que l'eau coule. L'eau coule dans ce sens, parce qu'il y a une panne. Ok. Vous voyez ici, c'est l'effet de l'érosion quand il pleut très fort. Venez voir maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je verse l'eau? La digue retient l'eau. Sinon, s'il n'y avait pas la digue, l'eau allait continuer ses semis. Ok. Observez bien pour la suite, pour voir comment est-ce que, quand l'eau remplissait le premier trou, ça part où? À gauche et à droite. Vous voyez? Pour les concombres, vous voyez que quand l'eau a rempli le premier trou, ça vient là. On voit les traces même de l'eau. Donc, et quand ça déverse, ça part toujours sur son chemin. Donc, l'eau qui déverse ici, là, ça allait remplir ce trou-là. Mmh. Vous comprenez? Mmh. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment l'importance du zaï comme ça, quoi. Les demi-lunes qui, avec une pluie de quelques millimètres, voilà, ça permet de retenir le peu d'eau qui tombe sur votre parcelle. Parce que j'ai fait tout dans tout ça. On ne peut pas faire tout le monde. Il y a tout ça. La tombe, j'ai une tombe à la là. On ne peut pas faire le monde. Il ne faut pas faire le monde. Il ne faut pas faire le monde. Parce que j'ai bien nous on a bien nous. Tu n'es pas bien bien. Tu n'es pas bien. Il y a tombe à tout autour. Tu n'es pas faire le monde. 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 Bam me handa tan pindi bulo ta yinga fa ha wum ne balam ya fo pam le bilga fo handa ta wa ya fa ko na ha bala ta ba wutu ya ko so bo bala o wi si ya ma kana ma na na ko ma ha ta ma ta ba ko la ma bo kuli tali yem ro ma fa de bo na je ya on pam bo ya wala.
bala bo handa to wasa yatari mo fanyi ki ndatin jinyata jim kiwu botin pama abilige la kien samam ti zai wa tuba ya wa mo na zai wa boboto e ade ti zai wa yeli atugo ani kitam ti fo handa to ko nyi ko ngari wallahi zai wa tala nyi wa sama moni hore ya le boti ti ko ni For how an antivore of me come to Fulara and Palmer, Billion Bank for Palmer, Tiako, Lima, for Han and to Borda Maha. For two the Fang, Tiak Maha, like Wood and Goose, I knew. La première des choses, c'est d'observer le ruissellement de l'eau sur le terrain pour pouvoir bien vous positionner pour creuser vos trous. D'après vous, comment est-ce que l'eau coule sur ce terrain? Oui, effectivement, tu as raison. L'eau ruisselle vers là. Donc, on va se mettre en face de l'eau pour creuser les trous en mettant la terre derrière le trou pour que ça puisse retenir l'eau. Je vais vous faire une démonstration de quelques trous avant que vous commenciez. Voilà. Et rappelez-vous qu'en classe, on avait parlé de la dimension et des trous de zaï, l'espacement entre chaque trou qui fait 80 cm et l'espacement entre chaque ligne, c'est-à-dire la deuxième ligne qui va commencer à partir de là et qui va faire un quinconce, là c'est 80 cm. La profondeur du trou est de 10 à 15 cm et le diamètre est de 30 à 40 cm. Vous vous rappelez bien? Oui. Là où on a déjà un tour, il y a un tour. Il y a qui pour là, il y a un signe de tour. Vous n'avez pas de tour, il y a un tour. Il y a un tour. Vous n'avez pas de tour dans ça. Ça a été un tour. Là-bas, on est venu. J'en viens là, qui est en train de s'ingrer tout. Au sein de la ville, on va aller à la mahatifo. Pendant la ville de Mahala, il faut s'ingrer pour la quitte. Au moment où on s'ingrer là, il faut quitter un bala. Bébé, mais tout une ville, il faut s'en aller à la ville. Ça, c'est une fin de bala, il faut attendre pas, même si ça va faire mes data. C'est quoi le roi? Aborder tout. Son mam tu tua borda nyo taba me fo han vilim si aliya din din di wa han la buri la borda han yi ala me pa si a son ra fo ne ko ba yi me ko ma han yala ta me son ra ki me ti mum ba fa ya nan donc toi tu continues avec Mali voilà toi tu peux déjà commencer. Regarde, toi, tu vois que tu commences à ne pas vraiment être bien allié avec le premier trou là. Tu es un peu en arrière. Donc, il faut commencer à corriger dès maintenant. Sinon, après, ceux qui te suivent là vont faire des erreurs aussi. D'accord? Et prochainement, ce sera l'amendement des trous avec le compost. Donc, d'ici fin mai, en tout cas, on attend une bonne pluie seulement pour attaquer le semis. Wo to no yin na ya non wo to la ha wata kin ba wakati fa ta ba na nge ton bin yin nga bala fo mi mti be no sakare yuri ba sa na pa wo bien ma patte l'ordre ensemble vous aurez.
Ah, ah, Sarah. Pour semer, on attend une bonne pluie et que les trous soient humides, ou on peut semer aussi à sec en espérant qu'une pluie arrive assez rapidement. Pour semer dans les trous de zaï, on met 4 à 5 graines maximum dans la terre de la diguette à la frontière du compost à une profondeur de 3 à 5 cm. Ce matin, on est là sur un champ pratiqué le zaï. Et là, maintenant, il est temps pour nous de le cultiver. On va le cultiver avec le sarclage localisé. Voilà. Il faut le faire comme ça. Tout autour, ça permet d'enlever les mauvaises herbes. Ça permet à l'infiltration de l'eau quand il va pleuvoir. Et encore, ça permet aux céréales la croissance plus rapide. Essayez, je vais voir. Venez voir. Mais maintenant, ce que je précise, c'est à ne pas casser cette digue-là. Tu vois, soit tu peux le cultiver ici, soit ici, en gardant toujours la petite butte qui va garder l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Donc, faites vraiment beaucoup attention aux petites diguettes derrière. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Après la semis du 29, il y a eu une sécheresse de presque comme l'année dernière de 3 semaines. Ah ouais. Mais ces plantes-là ont résisté. Ça, c'est sûr. Ça dit on était prêts, quoi. On n'a pas raté toute la première pluie. Ouais. Après le sarclage localisé, il y a un certain temps qu'on laisse, on regarde si l'herbe commence à grandir. On revient maintenant pour le deuxième sarclage qui est le sarclage total. Tu vois, l'herbe comme ça, là même, c'est du paillage, quoi. Ouais. Naturel, donc. Un couvert de sol. De l'engrais vert. Ici, le mil a du bon rendement. Avec les violents vents, ça fait tomber certaines tiges. Donc, il faut toujours penser à mettre au pied du mil toujours un peu de terre pour que la fixation des racines soit très profonde. Il y a beaucoup d'herbes. Oui, justement, parce que
Mais tu sais, d'une part aussi, c'est parce que la terre est bonne. Bien sûr que oui. Est-ce que dans les épilés, on voit ça? Jamais. Ce qui veut dire qu'en tout cas, parlant de restauration des sols, on peut dire que... Ah ouais? On a gagné, bon. Ton fafa ne farika wala mentunde Koba ya ton fafa ne farika wala mentunde Luna luna koba ale pa ko yarie Yamsana ko Mangi en putanere, en celtise, laiman kukwara, lai toujai wawa, lai tumne biriga, dawa nyori bugum, dawa mpusitin, yam samana wotone, inasama tengonga, ikoba yole ya ton fafa, ne
farika wala mentunde. Koba ya ton fafa, ne farika wala mentunde. Ne farika wala mentunde. Ne farika wala mentunde. L'agriculture est notre patrimoine. Nous devons la léguer indemne à la future génération.